le 70e anniversaire de la mort du général Philippe Leclerc de Hautecloque, maréchal de France, survenu accidentellement le 28 novembre 1947. Cette commémoration va débuter dans quelques instants par une prise d'armes devant le monument qui rappelle qu'il fut le libérateur de Paris à la tête de la 2e division blindée, la fameuse 2e DB. La cérémonie comprendra l'accueil des autorités, les allocutions des personnalités, un dépôt de gerbes, la sonnerie aux morts suivie d'une minute de silence et de la Marseillaise, le chant de la 2e DB. À la fin de la cérémonie, les officiels iront saluer les porte-drapeaux. Ensuite, le cortège se formera pour descendre l'avenue du général Leclerc jusqu'à la place d'Enfer Rochereau. Avec un arrêt devant le cinéma Gaumont pour la projection d'images d'archives. Les personnalités qui nous font l'honneur d'assister à cette cérémonie sont M. Serge Boulanger, représentant le préfet de police, M. Jean-Pierre Lecoq, représentant la région Île-de-France, M. Hermano Sanchez Ruivo, conseiller de Paris, délégué représentant Madame la maire de Paris, M. Thierry Véron, président de l'Association des artisans et commerçants de l'avenue du Général Leclerc, le général Christian Baptiste, délégué national de l'Ordre de la Libération, le général d'armée Bruno Cuche, président de la Fondation Maréchal Leclerc de Hautecloque, M. Alain Faber, président national de mémoire du Mont-Valérien. Pour l'ensemble, hein ? Accueil des personnalités. Repos. Or. Ouvrez le banc. Allocution de M. Thierry Véron, président de l'Association des commerçants et artisans de l'avenue du Général Leclerc. Mon général, mesdames, messieurs les élus et représentants des corps constitués, mesdames et messieurs les responsables d'associations, mesdames et messieurs venus partager ce moment à nos côtés, au nom de l'Association des commerçants de l'avenue du Général Leclerc, je suis très heureux de vous accueillir pour cette journée d'hommage à Philippe Leclerc de Hautecloque. Cette belle journée trouve son origine dans la volonté des femmes et des hommes qui travaillent au quotidien sur cette avenue, en tant que commerçants et artisans, de commémorer comme il le mérite le 70e anniversaire de la disparition du général Leclerc. Pour nous, acteurs de ce quartier, il s'agit de conserver vivante la mémoire d'un grand homme qui a fait plus que laisser son nom sur une des principales artères de Paris. Les Parisiens qui empruntent chaque jour cette avenue, qui vont au cinéma ou au restaurant, qui fréquentent des boutiques de vêtements ou des salles de sport, qui s'y déplacent à pied, en deux roues, en bus ou en voiture, ne font peut-être plus attention au nom de cette avenue de plus d'un kilomètre de long, autrefois dénommée avenue d'Orléans, comme la porte sur laquelle elle débouche toujours. Avec mes amis commerçants et artisans, nous avons décidé de porter l'organisation de cette journée de mémoire pour que le général Leclerc ne soit pas simplement un nom sur une plaque émaillée, mais une figure toujours familière pour les habitants du 14e. Et notamment ceux des nouvelles générations qui n'ont connu ni la guerre, ni l'après-guerre. Ceux-là doivent savoir, et c'est notre rôle de leur rappeler, que le 25 août 1944,
le général Philippe Leclerc de Haute-Cloque a emprunté cette même avenue à la tête de la 2e division blindée pour libérer la capitale de son occupant allemand. Je veux remercier l'ensemble de celles et ceux qui nous ont accompagnés dans l'organisation de cette journée et des animations qui vont la ponctuer, que ce soit du côté des pouvoirs publics que des associations de mémoire. Je remercie tout particulièrement les musées Philippe Leclerc de Haute-Cloque, l'Ordre de la Libération, la Fondation Leclerc, les associations de la 2e DB et des mémoires du Mont-Valérien, et sans oublier les bénévoles qui ont contribué à la mise en œuvre de cette manifestation. Cette belle organisation prouve que cette avenue est plus que vivante que jamais, grâce à ses habitants et grâce à ses commerçants et artisans. Au-delà des animations commerciales que nous réalisons, nous voulons faire vivre cette avenue qui a une âme et qui doit la conserver. Avec notre aide, nous continuerons à faire de l'avenue du Général Leclerc ce qu'elle a toujours été, un espace de vie et de convivialité où l'on peut se détendre, se divertir, se rencontrer, mais aussi se déplacer librement et simplement. C'est notre objectif et nous voulons le partager avec vous, habitants et habitués de l'avenue du Général Leclerc. Pour nous, ce moment de mémoire est aussi une façon de nous tourner vers l'avenir. Ce que le général Leclerc a incarné durant toute sa vie, ses idéaux de courage et de liberté sont plus que jamais d'actualité. Merci. Allocution du général d'armée Bruno Kuch, président de la Fondation Maréchal Leclerc de Haute-Cloque. Monsieur le représentant du préfet de police de Paris, monsieur le représentant du maire du 14e, monsieur le représentant de la préfet, de la présidente de la région Île-de-France, pardonnez-moi, messieurs les présidents, cher Emmanuel Leclerc d'Haute-Cloque, petit-fils du général Leclerc de Haute-Cloque, monsieur le général délégué national de l'Ordre de la Libération, mesdames et messieurs, et vous, plus particulièrement, chers anciens, mon colonel Courdès, mon colonel Merle, chers anciens de la 2e DB, je vais prononcer quelques mots au début de cette cérémonie. Le 28 novembre 1947, il y a 70 ans ou presque, le général Philippe Leclerc de Haute-Cloque trouvait la mort avec 11 de ses compagnons d'armes dans un accident en service aérien commandé. Ces événements tragiques ont eu lieu dans le désert saharien entre Oran et Colombéchar. La nouvelle se propagea très rapidement. La mort de ce jeune héros, il avait 45 ans tout juste, bouleversait ses soldats et au-delà la France entière. Ses obsèques nationales, célébrées à Paris, furent suivies par une foule innombrable, triste, accablée, émue. Elle rendait ainsi hommage à celui qui, 2 ans auparavant, elle avait acclamé dans la liesse de la libération de Paris. Étrange destin. Mais en mourant, Leclerc ne disparaissait pas pour autant. Il laissait à ses vaillants compagnons un message. Et au-delà d'un message, un esprit. L'esprit Leclerc. Leclerc incarnait le chef tel que Saint-Exupéry l'a défini. Celui qui aime ses hommes, mais ne veut pas qu'il le sache. Son élégante silhouette, infiniment racée, impeccable, réticent,
avait l'immobilité révélatrice des hommes d'action qui ne se meuvent qu'à dessein. Il inspirait un incroyable respect qui rendait à la fois toute familiarité impossible et tout dévouement naturel et spontané. Son trait dominant était une prodigieuse intuition, celle surtout qui lui permettait d'identifier distinctement, instinctivement, les faiblesses et les forces de l'ennemi. Ceci lui permit de vaincre de Koufra à Berchtesgaden, en passant par Alençon, Paris, Strasbourg, avec une économie sans précédent de la vie de ses hommes. Ces hommes, justement, disaient de lui, c'est un seigneur, sans mesurer peut-être qu'il l'était au plus pur sens du terme, c'est-à-dire l'homme ferme, humble, bienveillant, auprès duquel on cesse de craindre et de douter. Mesdames et messieurs, tel était le général Philippe Leclerc de Haute-Cloque, maréchal de France, gentilhomme picard, officier par éducation, français par tradition, rebelle par destination. Monsieur le Président des commerçants et artisans de l'avenue du général Leclerc, en nous procurant aujourd'hui l'occasion de nous réunir en ce lieu symbolique pour rendre un hommage particulier à ce grand soldat et ce patriote convaincu, vous accomplissez un geste citoyen de belle facture. En effet, vous portez au peuple de Paris, celui-là même, ce peuple de Paris, qui s'était soulevé en août 1944 contre l'occupant nazi, aux côtés des gardiens de la paix de la préfecture de police. Vous portez donc à ce peuple de Paris le message du général Leclerc, un message mêlé de grandeur, du sens de service, d'amour de la patrie. Chacune des manifestations planifiées cet après-midi permettra à chacun, selon sa sensibilité, d'entendre et d'appréhender ce message. Ici, c'est le recueillement, la solennité et l'hommage. Plus loin, la mémoire et l'histoire rappelées à travers le défilé des véhicules militaires et la projection de films historiques avenue du général Leclerc. Et enfin, au bout du parcours, la liesse et la fête de cohésion sur la place d'Enfer-Rochereau, où s'installera dans 2 ans le musée consacré en partie à ce grand homme. Vous donnez donc, Monsieur le Président, à cette commémoration un caractère singulier et novateur qui répond aux attentes d'un public très varié et qui doit leur rappeler aussi que l'histoire ne s'arrête jamais, même si elle prend une autre forme aujourd'hui. N'oublions pas en effet, en ces moments, que le danger nous guette toujours et sachons rendre hommage à nos soldats qui, à Paris, en province, aux côtés des forces de sécurité, de la police et de la gendarmerie, et sous d'autres cieux, assurent notre sécurité dans des conditions rudes et dangereuses. C'est aussi le sens que nous devons donner à ces cérémonies. C'est le message que nous ne devons jamais cesser de rappeler. Sous les ordres de leur chef, ces soldats portent aujourd'hui les mêmes valeurs que leurs grands anciens et défendent avec la même abnégation la patrie. Pour conclure, je laisse la parole au général de Gaulle, qui ici même, le 18 juin 1949, en inaugurant l'avenue du général Leclerc, prononçait ces paroles prophétiques et prémonitoire. Je cite « L'histoire de Leclerc est devenue légendaire. Elle est désormais l'une de ces épopées par quoi les peuples se consolent de leur malheur, soutiennent leur fierté, nourrissent leur espérance. Or, nous avons besoin d'espérance. La menace nouvelle n'est pas loin.
Et tandis que l'horizon s'assombrit, nous voyons déferler ces vagues de bassesse qui souvent précèdent l'ouragan. L'éclair nous a été retiré par Dieu sans que l'écume ait jamais pu l'atteindre. Pour mourir beau, il faut mourir jeune, écrivait Chateaubriand. Mais il nous reste ses services et son témoignage. Nous nous en sentons plus forts pour demeurer face à l'océan, devant la houle de l'histoire. Fin de citation.